Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Je remercie tous les 938 abonnés à ma chaîne. Bientôt, je vais passer l'étape de 1000 abonnés grâce à vous. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui donnent un j'aime à mes vidéos. Je remarque que dans les dernières vidéos que j'ai faites, les gens donnent vraiment beaucoup de j'aime. Je vous remercie de tout cœur. Et je tiens simplement, comme promis, vous montrer comment faire les trades et comment arriver à gagner 5% de ton investissement sur les trades rapidement, peut-être en moins de 24 heures. Moi, je souvent en moins de 24 heures, en moins de 2 heures de temps, j'arrive à me faire 5%. Et quand j'ai le temps, parce que les trades demandent beaucoup de temps et beaucoup de concentration, c'est très important. Pour ceux qui souhaiteraient faire, avant de regarder cette vidéo, regardez d'abord, si vous ne comprenez pas cette vidéo, regardez d'abord cette vidéo ici. Conseil important pour les débutants en trade. Le trade, ce n'est pas simplement de gagner de l'argent, de vous faire de l'argent rapidement, mais c'est d'abord savoir préparer son psychologie, savoir préparer sa tête, savoir être prêt à commencer le trade. Le trade de la crypto-monnaie est différent du trade de Forex ou des trades des autres plateformes qui font les trades de dollars, de l'euro. C'est très différent. Exemple, je vais vous donner un exemple. Je veux pas que cette vidéo soit longue, mais écoutez la jusqu'à la fin, serait un peu long. Quand on prend aujourd'hui le Bitcoin en train d'augmenter. Si une crypto-monnaie monte, elle a raison de monter. Si elle diminue, elle a aussi une autre raison de diminuer aussi. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, regardez le prix du Bitcoin. Elle a place à 8448 dollars. Elle augmente pourquoi? Parce que il y a un hard fork de Bitcoin Diamant qui va se passer bientôt. C'est pas le 28 ce mois, je pense. En janvier aussi, il y a un hard fork qui va se passer encore. Et le cycle 2.6 a été annulé, tout cela, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo récente, dans la vidéo précédente. Et encore, qu'est-ce qui se passe? Il y a des grosses entreprises qui ont décidé d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement ou moyen de transaction. Et voilà, donc ce qui fait que ça fait augmenter la crypto-monnaie, vraiment, ça la pousse vraiment vers l'avant, j'ai dit vraiment vers l'avant. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et il y a beaucoup de demandes. En gros, les gens achètent, voilà, pour faire les transactions, pour faire les paiements. Donc, c'est la crypto-monnaie. L'Ethereum était à 300 dollars là dans la vidéo que j'ai fait. Elle est déjà montée à 164 dollars. Pourquoi? Parce que elle ne serait plus un proof of work, mais avec le temps, elle serait un proof of work. C'est-à-dire que tu vas le minage. En gros, tu vas miner, voilà, résoudre des calculs, tout cela. Voilà. Et elle va activer aussi le minage en proof of stake, c'est-à-dire que ceux qui ont plus d'Ethereum vont commencer par miner aussi plus d'Ethereum, ils auront un pourcentage sur l'Ethereum qu'ils ont gardé dans leur wallet, en gros. Donc, les gens sont en train d'acheter l'Ethereum pour faire quoi? Pour se préparer pour le proof of stake qui va se passer. Alors, allons-y. Le Bitcoin Cash, c'est une manipulation. Donc, nous avons compris, c'est une manipulation. Cette vidéo, c'est pas une vidéo d'information, c'est juste pour vous dire que chaque crypto-monnaie a un Wemba. Elle a Wemba. Le Ripple, c'est une crypto-monnaie des banquiers, tout cela pour faire des transactions. Elle a augmenté durant ces derniers temps. Pourquoi? Parce que il y a des accords qui ont été signés en Chine ou bien au Japon avec des développeurs pour mieux développer cette technologie. Le Dash monte parce que, pourquoi? Parce que je vous ai souvent parlé du Dash, cette crypto-monnaie qui est vraiment super. Voilà, moi j'ai une petite quantité de Dash que j'ai gardé. Pour moi, 600 dollars n'est pas encore monté, va monter plus que ça parce que quand vous voyez la technologie derrière cette crypto-monnaie, quand vous voyez l'équipe derrière cette crypto-monnaie, quand vous voyez la conception, quand vous voyez la décentralisation de cette crypto-monnaie, vous allez vous dire, elle va avancer. J'ai déjà parlé de ça dans mes groupes, je ne vais pas encore parler de ça encore ici. Je vais laisser le lien de mes groupes Telegram ou un de mes groupes WhatsApp où il y a un peu de plapage. Je ne vais pas faire encore un quatrième groupe. Le lead que nous connaissons, Charlie, c'est le fondateur de cette crypto-monnaie, un génie. Voilà. Un génie en crypto-monnaie. Donc il y a le IOTA, le Metaverse, il y a plusieurs crypto-monnaies, voilà, il y a plusieurs projets, voilà, il y a 1329 crypto-monnaies. Je ne peux pas vous décrire tous ces crypto-monnaies aujourd'hui, mais je ferai une vidéo spécifique en parlant de peut-être 20 crypto-monnaies, leurs projets. Les gens pourront toutefois se repérer dans ces 20 crypto-monnaies. Chaque crypto-monnaie a un domaine bien précis. Le IOTA vient résoudre les problèmes. Voilà. En gros, moi, je ne veux pas parler de tout ça aujourd'hui. Je viens simplement vous parler du système trade. Avant de commencer les trades, d'abord, vous devez prendre un cahier et un bic. Pour ceux qui ne veulent pas de trade de la crypto-monnaie, vous devez être organisé. Vous devez être quelqu'un organisé. Si vous n'êtes pas organisé, ah, vous ne pouvez pas rentrer dans ce jeu de trade. Et après, je vous parlerai de ce site-là que je laisserai dans la description de cette vidéo pour vous. Alors, allons-y. Tu prends un cahier et un bic. Tu écris trade. Voilà. Après avoir regardé la vidéo ici, hein, il faut bien regarder cette vidéo. C'est très important, le conseil. Et là, tu viens, tu prends ton cahier et ton bic. Tu écris trade de crypto-monnaie. Voilà. Tant.
Combien tu es prêt à perdre? C'est très important. Il faut mettre souvent ce que vous êtes prêt à perdre. Ne n'allez pas mettre un bitcoin ou bien dire non, non, non. Et tu écris, tu es prêt à perdre 0,01 BTC ou bien 0,012 BTC. 2, voilà. Voilà, 0,02 BTC. 0,02 BTC, c'est ça que tu es prêt à perdre. D'une cotation actuelle, je ne sais pas. Maintenant, c'est ça ton investissement. Tu écris investissement 0,02. Voilà, ici, j'ai mis bloc-notes. Voilà. 0, non, 0,02 BTC. C'est ça que tu es prêt à perdre. Maintenant, c'est ça que tu es prêt à perdre. Maintenant, allons-y. Maintenant, tu veux gagner 5% de ces 0,02. Qu'est-ce que tu fais? Comme c'est un petit investissement, c'est pas un gros investissement, tu choisis trois crypto-monnaies. Trois cryptos. Trois cryptos. Tu choisis trois crypto-monnaies. Trois crypto-monnaies. Tu choisis trois crypto-monnaies. Voilà. Donc. Tu choisis trois crypto-monnaies. Voilà. Ou bien 5. Moi d'habitude, je choisis d'habitude 5. Je choisis d'habitude 5. Je choisis d'habitude 5. 5 crypto-monnaies. Selon l'investissement du trade que je fais. Et là, maintenant tu fais 0, tu fais ça. Ton investissement divisé par 0,02 divisé par 3, si c'est 3 crypto-monnaies, 3 divisé par 3. Excusez-moi. Zéro. 0,02 divisé par 3. Donc tu investisseras dans une crypto-monnaie. Première crypto, deuxième crypto, troisième crypto. Voilà. Tu investis combien? 0,00 66. Donc dans chaque crypto-monnaie, c'est ce que tu investis. Je dis bien, il faut être organisé. Les gens qui sont désorganisés, mal organisés là, c'est pas, votre place n'est pas ici. Dans la crypto-monnaie, surtout dans les trades. Regardez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà ton investissement que tu dois faire dans chaque crypto-monnaie, dans les trois crypto-monnaies. Voilà. Si tu investis 0,01, 0,1, tu investis 0,1 en crypto-monnaie, tu veux faire le trade avec 0,1, donc il faut prendre 5, il faut choisir 5 crypto. Mais si c'est une petite quantité, tu choisis combien tu choisis, et seulement que 6, 3 crypto-monnaies. Ok, vous voyez, 3 crypto-monnaies. Tranquille, c'est très important, tu veux 3 crypto-monnaies. Donc dans chaque crypto-monnaie, tu dois investir ça, c'est ce que tu dois investir, tu dois pas aller plus que ça. Je ne veux pas rentrer dans mon compte privé parce que voilà, il y a des groupes de hackers de crypto-monnaies qui se créent derrière chaque jour et qui essaient de voilà tenter de rentrer dans mon compte. Mes frères, on m'a déjà volé, c'est pas moi, plusieurs crypto-monnaies, trois crypto-monnaies, dont l'Ethereum, le Litecoin, le Dash. On m'a déjà volé trois crypto-monnaies comme cela. Et aujourd'hui, en cotation, aujourd'hui, ça fait environ 2 000 $. On m'a déjà volé 2 000 $. C'est l'année passée qu'on m'a volé ça qui ne valait absolument rien. Aujourd'hui, quand je pense qu'on m'a volé toute cette quantité de crypto-monnaie, j'ai fait la vidéo parlant de cela. Débutant pour Poloniex, c'est un peu triste. Aujourd'hui, 2 000 $, j'ai perdu ça comme cela. Mais ça me fait rien. C'est ce que j'étais prêt à perdre et ça va continuer. Le chien boit et la caravane passe. Donc, en gros, donc, écoutez bien ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est très important. Tu investis. Je sais que la plupart des personnes qui écoutent mes vidéos n'ont pas la possibilité d'investir plus dans les trades. Si quelqu'un veut investir plus, quand tu dépasses la barrière de 0,1, il faut choisir 5 crypto-monnaies. Mais quand tu es dans cette barrière 0,2, 0,02, 0,005, 0, voilà, des petits, il faut investir dans 3 crypto-monnaies. Et dans ces 3 crypto-monnaies-là, tu te dis, tu investis cette quantité de crypto-monnaies. J'ai dit cette quantité de crypto-monnaies. Ton objectif, c'est d'avoir combien? 5%. Voilà. Donc tu fais ça fois 5. Fois 5. Non. Un instant. 0,02. 0,2. Ah merde, mon calcul. 2. Fois
5 divisé par 100. Voilà. Donc, le taux de ton investissement ici, il dit bien, le taux de ton investissement ici, 5%, tu dois avoir 0,021. Regardez bien. Donc, voilà les 5% que tu dois avoir. Donc, dans tes crypto-monnaies, ça doit te produire cela en BTC. Voilà ton objectif. Voilà l'objectif que tu dois atteindre. Voilà ton objectif que tu dois atteindre. Ah, ça c'est encore quoi ça? Putain. Voilà ton objectif. Tu dois gagner, donc ton gain sera de 0,001. Vous allez me dire, c'est peu, Aristide. Oui, c'est peu, mais si tu arrives à te faire 0,01 par jour, c'est bon. C'est bon. Je dis, il faut être organisé. Il faut être organisé. Organisé. Maintenant, je ne veux pas rentrer, je veux pas faire le trade dans une, je vais faire dans une plateforme où vous pouvez toutefois commencer ici. Ici, c'est, je laisse le lien de ce site, coin de ligne, tout l'air pour vous. Vous allez vous inscrire. C'est une plateforme très géniale. Je dis bien très géniale. J'aime cette plateforme. Pourquoi elle est géniale? Elle est géniale au sens où quoi? Au sens où tu n'as pas besoin d'investir de l'argent réel. Le site te donne déjà 10 000 dollars pour commencer. C'est 10 000 dollars, tu peux pas les retirer. Tu peux pas les retirer. Et vous allez voir, Singap, voilà, vous créez votre pseudo, votre mot de passe, votre email. Ils vont vous envoyer un email ils vont vous amener, pour confirmer quoi. Pour activer votre compte, vous activez votre compte et après vous cliquez sur login, vous rentrez dans votre compte. Dès que vous rentrez votre compte, vous venez ici. Quand vous allez venir ici directement, vous allez voir ici. Non, je pense, tu cliques sur moi. J'ai déjà fait le mien depuis. Voilà, tu cliques, ouais, je pense que c'est ici market ou quelque chose comme ça. Market ici, tu cliques sur market et tu viens en bas. Tu vas avoir 10 000 dollars. On te donne 10 000 dollars. 10 000 dollars. J'ai déjà fait le mien. Et là, tu cliques sur Star. Tu cliques sur Star. Je pense qu'il doit avoir une vidéo ici. Et même, il doit avoir une vidéo sur leur. Pas moi. Sur leur plateforme qui parle de comment la plateforme travaille, quoi. Voilà. Non. Donc, tu cliques sur Sign Up. Et voilà. Sign Up, tu crées ton compte. Après, tu reviens sur le site officiel. Tu vas avoir Star. Écrit star ici, ça veut dire que pour commencer quoi, star, et tu cliques star et tu commences. Voilà, tu vas commencer et maintenant tu auras ça en quoi? Tu auras les 10 000 dollars. Tu auras 10 000 dollars. Maintenant tu dois maintenant prendre les 10 000 dollars. Tu cliques sur voilà, tu peux cliquer sur portfolio ici. Moi j'ai déjà des bitcoins, j'ai déjà tué mes 10 000 dollars et tu vas voir que tu auras seulement que 10 000 dollars ici. 10 000 dollars, je mets 10 000 dollars et tu viens sur market. Okay. Et là, quand tu cliques là-dessus, maintenant tu viens, tu cliques sur le coin. Coin, ici, coin. Tu cliques sur le coin. Ils se sont inspirés sur Poloniex. Sur Poloniex, voilà, pour créer ce site, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu cliques sur le coin. Et là, quand tu vas cliquer. Quand tu vas cliquer sur le coin maintenant, tu vas voir ici. Tu auras ici 10 000 dollars ici. Et là. Tu cliques ici, là-dessus. Ça, c'est pour vous aider, pour vous entraîner. Vous devez vous entraîner sur ces sites-là. Vous devez vous entraîner beaucoup. Tu cliques ici, là-dessus. Coin. Et ici, balance. Tu vas avoir ici 10 000 dollars en Bitcoin. Je ne sais pas ça fait combien. Et tu achètes et tu fais buy. Et maintenant, ici, tu viens. Pour maintenant choisir les crypto-monnaies que tu souhaiterais investir. Regardez bien. Donc là, tu prends exemple. Je prends un exemple, tu peux rentrer dans l'Ethereum, tu peux rentrer dans tout le Ethereum, acheter une petite quantité de l'Ethereum, une petite quantité. Exemple, ici bien. Mais le trade est bon quand tu investis plus, tu gagnes plus. Quand tu investis un peu, tu gagnes un peu aussi. Donc, je sais que les gens qui écoutent mes vidéos, les gens qui regardent mes vidéos, c'est des petits investisseurs. Moi, j'investis 0,2 BTC dans le trade. Bah, écoute, c'est ce que je suis prêt à perdre. Hein. 0,2 dans le trade et je sors avec 0, voilà, souvent je sors avec 0. Si j'investis 0,2, souvent je sors avec 5%, je sors avec 0,0. Voilà, au lieu de 2,25 quoi. Voilà, 0,25 quoi. Donc je me suis fait 0,05
bénéfices. Deux bénéfices. Donc, Ethereum ici. Donc, les cryptos dans lesquels tu vas rentrer, Ethereum, Dash. Tu choisis des crypto-monnaies qui ont un bon volume. Ethereum classique, ETC. Voilà. Voilà. Donc, tu choisis. Donc, tu vas mettre dans ton compte. Donc, mais il faut beaucoup vous traîner ici. Hein. Vous voyez que le Bitcoin est en train d'augmenter. Tu peux aussi rentrer dans le Bitcoin aussi. Hein. Mais voilà. Tu peux aussi rentrer. Le plus important, ce n'est pas le prix de la crypto qui importe. C'est la quantité de la crypto que tu détiens. Exemple. Il va être beaucoup de blocs de notes. Hein. Exemple, celui qui a 0,1 Bitcoin aujourd'hui. Aujourd'hui. Il te dit non, ça fait une valeur de. Je donne. Voilà, je shoot, je sais pas. Ça fait une valeur de, je sais pas. 2000, je sais pas. Ça veut combien, je sais pas. 2000, combien. Tel dollar aujourd'hui. Demain, ces mêmes 0,1 BTC feront comme cela. Donc, ce n'est pas le prix ici qui importe. Ici. Le prix ici importe peu. Ce qui importe, c'est la quantité de la crypto-monnaie que tu as. Parce que plus la crypto-monnaie. Cette crypto prend de la valeur, plus la petite quantité que tu as, elle prendra aussi de la valeur. Voilà le secret aussi de la crypto-monnaie. Donc, toi qui investis dans le trade, ne vois pas, exemple, tu dis, tu investis 0,02, ça fait environ 100 dollars. Non, 200 dollars, combien? Est-ce oublie. Regarde les 0,02. Fie-toi et regarde ce que tu dois prendre pour rentrer aujourd'hui aussi. 0,0066 en Ethereum. Donc, tu vois, prenons l'exemple. Et je prends Ethereum. Tu écris ici Ethereum. Je prends Ethereum classique. Ethereum classique. Voilà. Je vais voir son graphisme. Il faut aussi savoir étudier le graphisme aussi. Voilà le dernier prix qu'elle a eu ici. Donc, moi, je fais plus le trade avec, je dis bien, avec Poloniex et Bitres. Voilà. À vous de voir. Cette plateforme se base beaucoup plus sur Poloniex. Donc, à vous de voir quelle est la plateforme que vous utilisez plus. Voilà. C'est la même chose, hein. Tu vois, dernier prix, tu vois, c'est très important. Regardez ici, dernière vente qu'elle a, que c'est un Ethereum classique, Ethereum classique a été fait. Voilà, le maximum pendant les 24 heures. Voilà, le prix, voilà, je peux dire actuel et le prix le plus bas et le volume. Voilà, donc quand tu vois ça, pour moi, ça c'est très important. Chacun, et regardez le graphisme. Aïe 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 aïe. Regardez un peu le graphisme. Tu peux prendre un graphisme. Moi je touche sur le graphisme de 15 minutes. Là j'aime plus une visibilité plus claire sur la crypto-monnaie. 15 minutes. Je prends en 24 heures. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, il y a eu. Une résistance ici. Sûrement qu'elle va remonter. Voilà. Voilà, dernière résistance. Elle était ici. Voilà. Et vous voyez. Ethereum classique va remonter. Mais écoute, il n'y a pas une recette prête sous le graphisme. Hein. Chacun interprète selon la théorie où elle étudie ce graphisme. Donc voilà, elle va remonter. Voilà. Elle va remonter. Donc. Toi qui veux investir 0,006 dans une crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, c'est pas moi, des petites crypto-monnaies, il y a plusieurs crypto-monnaies ici. Il y en a plusieurs. Mais avant de rentrer, lis le projet de la crypto-monnaie. Lis le projet de la crypto-monnaie. Et il faut vraiment lire le projet de la crypto-monnaie. Lis vraiment, je vais voir. Je vais prendre Meta. Je vais prendre une crypto-monnaie, Metaverse. Voilà, une crypto-monnaie que je suis en train d'étudier. Je suis rentré dans cette crypto-monnaie, qui ne vaut absolument rien. Et je vais voir. Ici, son graphisme ici. Aïe, aïe, aujourd'hui, mon ordinateur ne m'aide pas beaucoup. Hein. Je vais voir un peu son graphisme. Présentement, je suis en train de miner cette crypto-monnaie pour vous donner l'information. Je suis en train de faire un stock de cette crypto-monnaie aujourd'hui pour déposer. On va voir. Dernière résistance. Ici, le graphisme n'est pas trop clair. Ouais, je vais voir. Elle n'est pas sur Poloniex. Donc ici, c'est les crypto-monnaies qui sont un peu sur Poloniex. Voilà, elle n'est pas ici, malheureusement. Et, aïe, aïe, aïe. Elle est, on va voir, la dernière résistance ici. Ah, moi, j'essaie de déduire vraiment un peu, mais vous, les débutants, ne faites pas ce que je fais. La résistance est ici. Voilà.
Donc, elle a plus une chance de monter. Voilà, tu prends cette crypto-monnaie, 3 dollars. Elle est sur quelle plateforme? Bitresfi, ici. Elle est présentement sur Bitfinex, ici. Donc, tu vois, ok, 3 dollars, ça fait 3 dollars. Ok, peut-être tu achètes une de ces crypto-monnaies, tu déposes. Voilà, bon, c'était, voilà, j'ai un peu mélangé la sauce avec la salade, mais voilà, allons-y ici. Maintenant, c'est ce que je veux, j'ai combien? Je veux maintenant acheter l'Ethereum classique. Voilà, moi, c'est une plateforme de, moi, c'est ça, c'est une plateforme de jeu, quoi. Donc, ça, là, c'est pas mes bitcoins réels, hein. Je veux pas vous montrer mon portefeuille réel, s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité, excusez-moi. Parce que plus les gens voient, les yeux des gens deviennent un peu rouges et ils essaient de vendre mes comptes. Donc, en gros, donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai 1,16 Bitcoin ici où je peux faire l'entraînement. Bah, voilà, je vais rentrer tout à l'heure ici avec 5. Je vais acheter. Non, je vais acheter. C'est pas moi. Ben, je vais acheter. C'est pas. 100. Prenons l'exemple. Je vais essayer de faire une simulation. 100 Ethereum classique. Dans le trade, plus tu achètes, voilà, 100, en total ça fait 0,2, voilà, donc j'achète. Et là, en achetant, regardez ce qui va apparaître. Ce qui va apparaître maintenant, c'est ça, c'est très important. Tu vas voir la quantité que tu as acheté, le prix à laquelle que tu as acheté, le prix total que tu as acheté, les frais de transaction et ce que tu vas dépenser au total. Tu écris tout dans ton cahier encore. Je dis, mais très important. Donc, dans ton bloc-notes, tu viens. Ethereum classique, tu écris tout cela, tout ce que j'ai dit. Voilà, ce que je suis en train de faire, ça ne bat pas, ça ne bat pas, ça ne va, ça ne, il n'y a pas une correspondance en tant que telle. Voilà, parce que ici, c'est une plateforme de simulation. Voilà, et là, tu achètes 100 Ethereum classique. Donc, et tu sais que tu es rentré dans l'Ethereum classique au prix de 0,002024635. Voilà, 9. Donc, ça, au prix de 2 millions 400, 400. 66 Satoshi, voilà. Alors donc, non, 246 000 Satoshi, excuse-moi, 246 000 Satoshi, tu as acheté l'unité. Maintenant, tu viens ici, je dis bien, tu viens, c'est ce que tu as acheté, regarde bien, c'est ce que tu as acheté. Et tu as dépensé combien? Tu as dépensé 0,24. Je donne un exemple. Tu as dépensé 0,2466. Mais sur vos plateformes réelles, vous devez faire ici, ça, c'est très important. Mais ici, tu peux t'entraîner vis-à-vis de ça. Maintenant, c'est déjà. L'opération a été faite. Quand l'opération est faite, quand c'est pas encore fait, vous avez ça écrit ici votre ordre. Bien, tu peux voir ici my last order. My last, voilà, de l'opération que j'ai faite. Maintenant, je vais vendre ça. Tu vas voir. Elle est en train de monter. Tu vas voir. 25. Voilà. Donc, c'est-à-dire, dans une seule opération de l'électron classique, j'ai investi 0,2. Voilà, 2,46 BTC, etc. Allons-y maintenant. Venons, maintenant, je veux maintenant vendre ces 100. Je clique là-dessus. Voilà, donc si je le vends, je perds. Voici, ouais, ici, je perds. Donc qu'est-ce que tu fais? Si tu souhaiterais ouvrir l'ordre de vente ici, tout l'ordre de vente, je vais voir. Ici, à combien? Et au lieu de d'ouvrir l'ordre de vente au prix unitaire ici, au prix unitaire ici que j'ai acheté, peut-être je vais ouvrir l'ordre de vente sur au lieu de 245 000, je vais ouvrir 265 000. Voilà, 265 000. Regardez ce que ça donne maintenant. Ça donne 0,5. Et là, tu fais quoi? Tu as déjà ouvert, donc tu mets le prix ici. Pour le Bitresfi, c'est la même chose. Donc, quand tu achètes, tu peux mettre ton ordre de vente ici et tu fais vendre. Et là, maintenant, tu vas voir que tu as un bénéfice. Tu investis 0 point, tu investis 0 point et 24, 24, tu auras 0,26. Donc, ça veut dire que tu as un bénéfice de 0,01, 1,9 en gros, en Bitcoin, si tu investis. Et 0,2, donc ton bénéfice serait voilà 0,019. Voilà, tu confirmes. Et là, maintenant, ton ordre de vente est ouvert ici vers le bas. Donc, si c'est ouvert,
C'est comme cela. Donc, si les terrains classiques, si les terrains classiques, voilà, la dernière, pourquoi j'ai mis 0,06 ici? La dernière vente, au maximum pendant les 4 était ça. Donc, je suis rentré quand le terrain classique valait combien? Ici, 246. Maintenant, je vais le vendre à 264. Donc, je vais me faire des petits satoshis sur les 100 de ces cryptos que j'ai acheté. C'est très important ce que je vous dis. Voilà. Et là, tu attends. Dès que l'Ethereum classique va monter à ce prix que tu as ouvert lors de vente, à ce prix ici. Donc, et tu écris dans ton cahier, tu écris dans ton bloc-notes, je ne sais pas où. Voilà. Tu souhaiterais vendre l'unité à 0,00246 satoshi chaque unité de 100 points et tu attends. Dès que l'opération arrive, tu fais ton achat automatiquement. Donc je n'ai pas le temps de faire des simulations tout à l'heure pour vous ici, pour que vous puissiez voir. Je vais prendre peut-être le bitcoin quand même pour voir. C'est le bitcoin en train de monter trop. Je sais pas si le bitcoin quand même. Voilà, elle est en train de monter. Ok. Voilà, j'ai déjà changé mes 10 000 dollars en Bitcoin, donc je ne peux pas. Donc, je dois prendre une crypto-monnaie qui a un bon volume à l'heure actuelle. Donc, c'est ce que vous devez faire. Donc, ce qui est important ici, la réalité, ici, c'est du jeu. Ici, c'est du jeu. J'ai dit, bien sûr, si tu veux créer vos comptes, apprenez à... Vous voyez, quand tu prends... Moi, j'aime bien étudier les graphiques sur cette tendance-là de 15 minutes en une journée. Voilà, regardez. 15 minutes. Et là, tu as plus une visibilité claire sur le graphisme. En une journée, 4 heures. Voilà. Voilà, donc, la crypto-monnaie a baissé. Voilà son support ici. Elle va remonter. Elle va monter. Je dis bien, elle va monter. Donc, le Zcash va monter. Vous voyez, donc maintenant, elle est en train d'ouvrir plus. Elle a encore plus de vent pour monter en gros, quoi. Donc là, tu te dis, est-ce seulement de rentrer? Tu peux toutefois rentrer. Tu rentres, tu achètes ici et tu ouvres ton ordre de vente ici et tu attends. Souvent, l'ordre de vente peut être exécuté rapidement. Je dis, mais rapidement, selon la volatilisation, selon la façon de la crypto monte. Et là, si l'ordre de vente n'est pas ouvert, tu attends et tu dois être patient aussi. Comme je dis souvent, les gens sont très pressés. Tu dois être patient jusqu'à attendre l'ordre de quoi? De vendre cette crypto-monnaie où tu te feras le surplus, quoi. En gros, donc, les gens qui choisissent les trois crypto-monnaies, vous pouvez ouvrir votre ordre d'achat aujourd'hui et l'ordre de vente, l'ouvrir aujourd'hui aussi selon le prix que vous souhaiterez vendre la crypto-monnaie. Dès qu'elle arrivera à ce prix, frère, voilà, donc quelqu'un qui investit ça en une crypto-monnaie, voilà, 0 point. Je prends un exemple, prenons l'exemple d'une crypto-monnaie. Voilà, prenons l'exemple de cette crypto-monnaie. 0,00004, voilà. Ce qui fait, c'est pas ici, ça fait combien, voilà. Venons-en. Voilà, donc tu investis dans cette crypto-monnaie, comme cela. 0,00, voilà. Je donne l'exemple, métaverse. Et là, tu fais quoi? Donc maintenant, tu dis, tu attends l'ordre. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a cette crypto-monnaie, 0,00044. Moi, le plus m'importe peu, hein, mes frères. Dans le trait, le plus m'importe peu, c'est la quantité de la crypto-monnaie que tu as. Ça, donc ça fait 1 égale 1. Égale 1 métaverse. Voilà. Aïe. Parle de ces chats. Voilà. Un métaverse. Voilà. Et lâchez ça. Tu achètes ça. Peut-être tu achètes 10 de cette crypto-monnaie. 10. 10 unités. Voilà. Maintenant, tu ouvres l'ordre de vente. Vous avez su 0,0. Il ne faut pas être trop gourmand. Vous risquez de tout perdre. Peut-être tu ouvres l'ordre de vente sur 0,4. 9. Voilà. Donc tu te fais sur chaque unité environ, voilà, 1000 satoshi ou 2000 satoshi.
Comprends-moi, donc, sur chaque ligne, tu dois te faire une petite quantité. Donc, quand la monnaie monte automatiquement, tu te fais ton bénéfice, quoi. Tu verses sur les 10 000. Donc, regardez bien. La quantité de la crypto-monnaie ne change pas. Mais c'est la valeur. La quantité en gros en unité de cette crypto-monnaie ne change pas, mais c'est la valeur en bitcoin qui change. Donc tu te fais, ouais, tu ouvres ton offre de vente sur cette crypto-monnaie ici. Donc, et tu te donnes un pourcentage et tu arrives à te faire facilement 5% par jour si la crypto-monnaie augmente rapidement. Mais quelqu'un qui ouvre l'offre de vente, il y a des gourmands qui ouvrent l'offre de vente jusqu'à voilà presque 100. Et je peux dire, un million Satoshi. Elle peut toutefois arriver, comment une fois, ça pas redresser. Donc, ce que je vous dis, le trade, regardez cette vidéo ici, appliquez ce que je vous ai montré ici, mettez ce que vous êtes prêt à perdre dans trois crypto-monnaies, vous faites le gain que vous devez avoir dans ces trois crypto-monnaies. Peut-être l'Ethereum peut monter, tu peux acheter 0.006. En BTC ici, tout ça c'est en BTC et l'Ethereum monte absurdement et tu te fais ton Satoshi de plus et c'est fini et tu continues. Vous voyez, donc le trade, tu peux te faire de l'argent rapidement, oui, mais il faut être souvent connecté. Tu te fais connecté, tu peux ouvrir l'ordre de vente comme j'ai fait ici sur cette plateforme. C'est une très bonne plateforme ici où vous pouvez commencer par faire le trade facilement pour gagner de l'argent et pour arriver à vos méthodes de 5% par jour. Voilà la méthode que moi j'utilise, que je vous ai montré ici. Je mets une quantité de crypto-monnaie, pour résumer en gros, je mets le pourcentage que je souhaiterais avoir et après maintenant je divise ça en 5 à 3 crypto-monnaies dépendant de la valeur que j'investis. Et après cela maintenant je me fixe un méthode d'après que tu fais diviser par le nombre et là tu vois le nombre de satoshi que tu souhaiterais investir dans ces crypto-monnaies et là tu attends maintenant, tu achètes et là maintenant tu ouvres l'ordre de vente et tu attends, c'est tout, c'est clair, simple comme bonjour. Et cette vidéo a été vraiment longue mais ça vaut vraiment la peine de l'attendre, 32 minutes, ça vaut la peine vraiment. Et aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et j'essaierai d'apporter plus de contenu des informations qui se passent dans le monde de la crypto-monnaie. Et pour vous, mes abonnés, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, aimez ma vidéo. Et ça fait une vidéo de 30 minutes, oui, mais vous pouvez, ces 30 minutes que vous avez perdu en assistant à cette vidéo, si vous le mettez en pratique, vous allez vous en sortir avec de belles sommes d'argent dans le trade facilement, comme la méthode que je vous ai montré aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée et à très bientôt.